بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. La femme, cette perle précieuse. Al-mar'atu al-lu'lu'atu thamina. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. Avant-propos. Louange à Dieu seul. Et que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur son messager. Aujourd'hui plus qu'hier, par ignorance ou par orgueil, face à la vérité, certains s'attaquent à l'islam et le critiquent. Alors que cette religion représente, par excellence, le respect des droits de l'homme. On l'accuse d'opprimer certaines catégories de personnes, de leur porter atteinte et de les dénigrer. La femme tout particulièrement est, prétendent-ils, considérée comme inférieure et dont les droits sont bafoués, voire inexistants, et dont le rôle dans la société est quasi inexistant. Entre haine, mensonge, ignorance ou amalgame, quel est réellement le statut de la femme dans l'islam et en Occident? Où est-elle vraiment respectée et intégrée dans la société? Et où y tient-elle vraiment un rôle? Ce livre répond à ces questions. La condition de la femme en Occident. En Occident, ou plus largement dans les pays non musulmans, la femme, disent-ils, est une citoyenne à part entière, égale à l'homme sur tous les points de vue. Or, cette prétendue égalité n'a pas toujours été un acquis. Elle a dû la réclamer haut et fort, au prix de sa vie parfois. À l'époque où les hordes isolées se trouvaient en pleine lutte pour l'existence, le clan devait veiller à se débarrasser de tout rejeton qui nécessitait de grands soins. Les filles nouveau-nées, en première ligne, avaient ce caractère d'impedimenta. On cherchait donc à s'en débarrasser autant que possible dès leur naissance. On n'en laissait vivre qu'un petit nombre, celles dont on avait absolument besoin pour la reproduction de l'espèce. En Grèce, par exemple, elle était un objet se vendant et s'achetant dans les marchés et ne disposant d'aucun droit. Dans l'Empire romain, l'homme avait tous les droits sur sa famille, même celui de vie et de mort sur sa femme et ses enfants, sans devoir rendre de compte à l'État. En Inde, lorsque le mari mourait, son épouse s'immolait sur son bûcher de plein gré. Aujourd'hui, elle se contente de se raser les cheveux. De nos jours, une situation persiste, se maintenant et s'aggravant toujours davantage, la prostitution. Elle était non seulement permise aux filles non mariées, mais à Babylone chez les Phéniciens, les Lydiens et chez bien d'autres peuples encore, elle était demandée, voire ordonnée par la religion. À Babel, la puissante capitale de l'Empire babylonien, il était prescrit que toute jeune fille devait se rendre au moins une fois en pèlerinage au temple de la déesse Milita pour s'y prostituer en son honneur, au libre choix des hommes qui accouraient en foule. On rapporte que Khéops, roi d'Égypte, qu'il tira du produit de la prostitution de sa fille l'argent nécessaire à la construction d'une pyramide. Chez les personnes de confession judaïque, la femme est maudite, car c'est elle qui aurait influencé Adam à pécher. Chez les premiers chrétiens, elle était considérée comme la porte de Satan. En France, en 585 après Jésus, lors du concile de Mâcon, on se demandait si elle était un être humain et possédait une âme. Et si elle en avait une, était-ce celle d'un animal ou d'un humain? Ils en concluèrent enfin qu'elle avait une âme d'être humain
mais avait été créé uniquement pour servir l'homme. L'Occident se persuade même que la sorcellerie est intimement liée à la nature féminine et que toute femme est une sorcière en puissance. Il disait « Pour un sorcier, 10 000 sorcières ». Les bûchers brûlent surtout à partir du XVe siècle et ne s'éteindront qu'au XVIIe siècle. En France, en 1804, dans le code napoléonien, la veuve n'a aucun droit dans la succession de son conjoint et si elle désire se remarier, elle est soumise à la décision du conseil de famille. Dans les lois anglaises, elle n'était pas considérée comme citoyenne au siècle dernier et jusqu'en 1805, l'homme avait le droit de vendre sa femme. En Chine, l'année du cheval et de la femme sont mauvais signes. Dans bien d'autres communautés, la femme connaissait ou connaît encore le même sort, voire pire. Depuis des siècles, elle subit un avilissement certain et ne bénéficie d'aucune reconnaissance, malgré son rôle capital dans la société. Elle est humiliée, méprisée, négligée, réduite à un objet de désir et de procréation. Mais, diront-ils, la femme n'est désormais plus considérée comme telle. Elle est désormais respectée, fait partie intégrante de la société, dispose de droits équivalents à l'homme, elle est considérée comme libre et peut travailler dans ce que bon lui semble. Certes, il est vrai que la vision qu'il se faisait de la femme a changé. Mais dans quel sens ce changement s'est-il fait ? L'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme. Elle s'est vraiment confirmée vers la deuxième moitié du XXe siècle, quand la femme a commencé à réclamer ses droits, les mêmes que ceux des hommes, à tous les niveaux. Droits qu'elle obtient petit à petit au fil des années. Parallèlement, sous influence ou pas, naît l'idée de s'épanouir, vivre, revendiquer sa liberté, son indépendance, et se détacher des mentalités des anciens acquis. La femme, donc, obtint sa liberté. Aujourd'hui, elle fait ce qu'elle veut, au nom de la liberté et de l'égalité, dispose des mêmes droits que les hommes, elle est citoyenne, elle existe et le fait savoir. Cependant, cette liberté est-elle vraiment une liberté comme on l'entend, ou est-ce plutôt du libertinage ? Comme on pourrait également se demander si l'émancipation de la femme n'est-elle pas en réalité une belle expression qui dissimule, pour celui qui réfléchit, l'exploitation de la femme ? Ces beaux discours n'ont en effet pas leur place ici. Ce sont en réalité que des caches-misères. Certes, il y a eu un changement dans la vision de la femme, mais ce changement ne s'est pas fait véritablement à son avantage. De nos jours, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que la femme n'est toujours pas respectée. Même s'ils veulent le faire croire, il est vrai qu'elle a acquis une liberté, mais c'est une liberté totale, exemptée de principes, de valeurs, de pudeur ou d'honneur. Elle est passée d'un extrême à un autre, d'une absence de liberté à une liberté sans limite aux fruits amers. Il voudrait faire croire, et malheureusement beaucoup y ont cru, qu'elle serait complètement l'égale de l'homme en tout point et aurait les mêmes droits que lui, alors que curieusement, certaines inégalités entre les deux sexes persistent. Pour eux, s'épanouir signifierait l'absence de tabou. Une femme sera femme que si elle n'a pas de règles de conduite. On la pousse à s'habiller de façon très indécente dans la rue, en prétendant que c'est cela une femme épanouie et bien dans sa peau. Ils répandent la mixité partout, ce qui a pour résultat l'expansion de la perversité, des problèmes conjugaux et de graves atteintes au respect de la personne. Mais aussi la multiplication des rapports avant le mariage, qui conduit à une grossesse pénible, car non voulue, et à l'accroissement préoccupant d'enfants illégitimes. La plupart des avortements sont la conséquence de tout cela. De 2000 à 2010, en France métropolitaine, on recense plus de 200 000 avortements par an. On constate même la multiplication d'actes immoraux, tels que le viol, dont le nombre déclaré en 2001 a atteint le chiffre de 9 574, et on suppose que ceux qui ont été perpétrés, sans être ébruités, seraient de 4 à 6 fois supérieurs. Désormais, elle est considérée comme un objet de puissance et un passe-temps.
ballotté d'un homme à un autre. On s'en débarrasse une fois rassasié, sans se soucier de son devenir et de son honneur. Pour bien réussir sans obstacle dans sa vie professionnelle, il faut qu'elle soit ouverte à toute proposition. Le grand savant Ibn Qayyim a dit à propos de la mixité: il n'y a aucun doute que la mixité est l'origine de tout mot et de toute calamité. C'est aussi l'une des plus grandes causes du châtiment d'Allah sur une communauté. Tout comme elle fait partie des causes de la perversion, qu'elle soit générale ou spécifique, la mixité entre hommes et femmes est la cause de la multiplication de la perversité, de la fornication, de la mort et des épidémies. En 2003, 30 000 personnes vivaient avec le sida en France, où l'on estime à 100 000 le nombre de séropositifs. 7 000 personnes ont découvert leur séroposité en 2004, contre 6 000 en 2003, selon les chiffres communiqués par l'Institut de veille sanitaire. La femme est aussi un très bon argument de vente. En effet, pour convaincre la clientèle d'acheter, il suffit de mettre une femme séduisante à côté du produit. À l'instar des demoiselles du juste prix, on la dénude chaque fois que l'occasion se présente, pour la campagne d'un gel douche ou encore pour la promotion d'une voiture. Il n'y a pas une émission de télévision qui n'ait ses collections de nunuches dévêtues, prêtes à rire à toutes sortes de blagues malencontreuses à leur sujet, provenant de la junte masculine, curieusement très satisfaite. Elles possèdent souvent des postes en contact avec la clientèle, comme secrétaire, vendeuse ou encore caissière, tout en l'incitant à porter des vêtements toujours plus impudiques, dans le but de mieux attirer. Si elle ne le fait pas, on cherchera des femmes beaucoup plus dociles. Avant qu'elle soit reconnue comme ayant du talent dans quelque domaine que ce soit, il faut d'abord qu'elle soit belle, qu'elle le montre et qu'elle joue de tout son charme. En réalité, elle n'a acquis aucune liberté dans le vrai sens du terme, mais a plutôt perdu sa dignité, son humanité et sa nature première. Jadis, elle était certainement humiliée, mais faisait quand même partie d'une famille. Elle se mariait humblement et possédait un foyer. L'humiliation et le vice n'étaient pas apparents. Aujourd'hui, elle reste toujours humiliée, mais d'une autre manière. Elle est réduite à un objet de fantasme et de convoitise avec lesquels on passe un peu de bon temps, puis on l'oublie. La cellule familiale est quasi inexistante, fragilisant ainsi toute la société, car son rôle est primordial. Depuis cette pseudo-liberté, les vices n'ont fait qu'accroître. La femme n'a point connu d'émancipation positive, mais connaît plutôt une exploitation par des hommes sans aucun scrupule, profitant d'elle pour arriver à leur fin. De même, elle n'a toujours pas obtenu sa liberté dans le sens moral et humain du terme. Et cette prétendue liberté ne profite qu'aux hommes qui sont libres d'abuser impunément d'elle, sous les yeux indifférents et complices de tous. En acceptant cette situation, la femme a perdu sa féminité, sa beauté, sa douceur et sa distinction. Elle demande le respect alors qu'elle tend la main aux irrespectueux. Comment dès lors peut-elle l'obtenir? De l'autre côté, il y a l'islam, religion de juste milieu, ne basculant dans aucun extrême. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ainsi, nous avons fait de vous une juste communauté afin que vous soyez témoins pour les gens et que le messager soit témoin pour vous. La condition de la femme dans l'islam. Dans l'islam. Délivrance, amélioration du quotidien et de la situation de l'ensemble des membres d'une communauté, interdisant l'injustice et l'oppression, ordonnant l'équité et le respect de son prochain, l'islam donna à la femme une place sans équivalent dans aucune autre communauté. L'islam a reconnu à la femme des capacités et des droits inconditionnels dans toute gestion d'ordre civil, économique, ou personnel. La femme jouait ainsi de la capacité et du droit d'hériter, de donner, de léguer, de contracter une dette, d'acquérir, de passer un contrat, d'attaquer en justice et d'administrer ses biens. Elle a aussi le droit de choisir librement son mari, de se remarier
après avoir divorcé ou être devenue veuve. Ce dernier droit n'a été reconnu à la femme occidentale que bien tardivement. Parmi ces droits sur l'homme, on peut citer par exemple le versement de sa dot lors de son mariage, subvenir à tous ses besoins, quand bien même elle serait la plus riche des personnes, et cohabiter convenablement avec elle, comme il est mentionné dans le verset suivant. Et cohabiter avec elle convenablement. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. Elle n'est pas obligée de travailler. C'est l'homme qui subvient obligatoirement à ses besoins. Si l'homme venait à refuser d'assouvir ses besoins, alors cela est considéré comme un grave péché en islam. Par ailleurs, si celle-ci venait à travailler, son argent lui appartiendrait complètement et l'homme n'aurait aucun droit dessus. Quant à la double part reconnue à l'homme dans l'héritage, qui est souvent critiquée par les Occidentaux, elle s'explique par les obligations exceptionnelles auxquelles le musulman est astreint, alors que l'exemption de la femme musulmane est totale. Ses dépenses envers son mari ou ses enfants sont purement volontaires, et ceci quel que soit son degré d'opulence. De même, chez les Arabes avant l'islam, elle n'était pas mieux considérée qu'ailleurs. Donner naissance à une fille était à l'époque considérée comme une calamité. Donc pour s'en débarrasser, certains enterraient leur fille vivante, comme il a été critiqué dans le Coran. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Elle n'avait quasiment aucun droit. L'homme pouvait avoir autant de femmes qu'il le souhaitait sans forcément devoir subvenir aux besoins de chacune. Prostitution, vagabondage et harcèlement étaient monnaie courante en Arabie. L'islam, quant à lui, a réglementé certaines coutumes païennes, telles la polygamie qu'il légiféra. Mais il établit pour le polygame des conditions tellement rigoureuses que le champ de cette pratique se trouva relativement rétréci. En effet, la polygamie doit s'adapter à certaines exigences, telles que l'équité entre les épouses, comme il est mentionné dans le Coran. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Si vous craignez d'être injuste, n'épousez qu'une seule femme, mais aussi pouvoir subvenir aux besoins de toutes, etc. Par ailleurs, il est bon de mentionner ici que l'islam est la seule religion qui a recommandé de n'épouser qu'une seule femme lorsque le mari a peur d'être injuste envers ses épouses. Alors que toutes les autres religions ne limitaient pas le nombre de femmes à épouser et ne mettaient aucune condition à cela. En Occident, un homme qui a plusieurs maîtresses ne devrait-il pas être considéré comme un polygame? Pourquoi reproche-t-on aux musulmans leur polygamie alors que celle-ci est contractée par les liens sacrés du mariage, alors qu'on applaudit l'homme qui change de femme toutes les semaines? Le sociologue français Gustave Le Bon l'a d'ailleurs reconnu par ses paroles. Je ne vois pas en quoi la polygamie légale des Orientaux soit inférieure à la polygamie hypocrite des Européens, alors que je vois très bien au contraire en quoi elle lui est supérieure. Cette citation est mentionnée dans son livre « La civilisation des Arabes ». Quant à la polygamie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a toujours été décriée en Occident, elle s'explique surtout par des mobiles d'ordre politique qui ont incité l'envoyé de Dieu à ne jamais refuser des offres tribales. Autrement, comment justifier le lien monogame du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa première femme Khadija, qui avait alors atteint l'âge de la maturité 40 ans, alors que le prophète
était encore dans la fleur de l'âge, 25 ans. En effet, il vécut 25 ans avec elle, sans jamais penser à prendre une autre femme. Elle mourut à l'âge de 65 ans, qu'Allah l'agrée. Dans la plupart des pays occidentaux, un problème persiste, le divorce. Son taux atteint plus de 60%. Quelle est la signification de ce chiffre? Cela sous-entend assurément que la structure sociale en Occident n'est pas équilibrée, et tend à démanteler les liens entre les époux qui résultent à la destruction du mariage. Ce résultat était facile à prévoir. En Occident, les fréquentations mixtes sont libres à l'excès, la consommation d'alcool est répandue et le manque de pudeur de certaines femmes contribue à l'adultère. Mais les hommes sont aussi responsables. Cela est une chose aisée pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Dans tous ces pays, la formule est la suivante. Hommes, femmes, alcool, nudité, fréquentation libre, ayant pour résultat la destruction du mariage, de la famille et des enfants illégitimes et malheureux. C'est pour toutes ces raisons que l'islam interdit les fréquentations libres, prône l'interdiction de l'alcool et la préservation de la pudeur, ayant pour résultat la protection du mariage, de la cellule familiale et des enfants légitimes et heureux. Le sociologue français Gustave Le Bon l'a également reconnu par ses paroles. Dans son livre « La civilisation des Arabes », il dit « La situation légale de la femme mariée, telle qu'elle est réglée par le Coran et ses commentateurs, est bien plus avantageuse que celle de la femme européenne. Avec l'islam, la femme retrouva sa dignité, son honneur et son humanité. Elle existe vraiment, tient un rôle concret et indispensable au maintien de la société. La femme dans l'islam est lumière, pudeur, bon comportement, chasteté, pureté, beauté, honneur. Chez elle, avec son mari et ses enfants, elle est servie, honorée, chérie, respectée, préservée et aimée. Elle a été créée à partir de la côte de l'homme, les rendant ainsi inséparables, se complétant et dépendant l'un de l'autre. Allah dit elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Et le fait qu'ils soient de la même origine, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes sont les consœurs des hommes, augmente ainsi le sentiment d'unité et les rapproche par un lien d'interdépendance inaltérable. Il doit donc prendre soin d'elle comme de sa propre personne, car elle est une partie de lui-même. Allah dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et comme le mentionne un hadith, veuillez du bien aux femmes. Quelle que soit sa situation, qu'elle soit épouse, fille ou mère, il a été ordonné à l'homme de bien se comporter avec la femme. Faire le contraire est donc une désobéissance et passible d'un châtiment divin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a en effet dit « Le croyant qui est à la fois la plus parfaite est celui qui a le meilleur comportement. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur femme. L'homme marié doit chérir sa femme, bien lui parler, patienter sur ses défauts, lui apprendre sa religion. » S'il divorce, il doit lui verser une pension et la loger d'une durée de 3 menstrues, avant qu'elle ne puisse se remarier, comme il est dit dans le Coran. Asquinouhunna min haythu sakantum min wujidikum, wa la tudarruhunna
لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins, jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent l'enfant né de vous, donnez-leur un salaire, et concertez-vous à ce sujet de façon convenable. S'il a des filles, qu'ils leur apprennent leur religion, les éduquent comme il se doit, ne les oppriment pas, et elles seront pour lui un accès au paradis. Comme il est mentionné dans le hadith suivant, « Celui qui a une fille, ne l'accable pas, ne la blâme pas, ne fait pas de différence entre elle et son fils. Dieu le fera entrer au paradis. » Il est aussi rapporté, « Celui qui éduque deux filles, jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, lui et moi ressusciterons le jour de la résurrection de cette façon. » Et il joignit les doigts de sa main. S'il a une mère, il doit être meilleur avec elle, car elle l'a porté pendant 9 mois. Elle a sacrifié son temps et sa vie pour s'occuper de lui. Il est dit dans le Coran : ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers son père et sa mère. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Il est aussi dit dans le Coran : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers le père et la mère. On trouve dans une poésie, ta mère, si tu savais, détient sur toi un droit éternel. Tout ce que tu as fait pour elle est peu de choses en parallèle. Combien de nuits s'est-elle plainte sous le fait de la grossesse? Sa souffrance fit jaillir lamentation et cris de détresse. Tu ne peux t'imaginer l'accouchement dans la douleur, accablé d'atroces tiraillements qui lui arrachent le cœur. Elle t'a si souvent purifié de ses propres mains, cette mère dont le giron t'offrit un repos serein. Elle sacrifiait tout pour toi lorsque tu te lamentais, et en son sein, une boisson pure dont tu te nourrissais. Combien s'est-elle affamée par compassion et tendresse, t'offrant son pain quotidien pendant ta prime jeunesse. Tu l'as perdue lorsque par ignorance tu as mal agi. Tu as trouvé le temps long, mais si courte est la vie. Misère à celui qui possède toute sa raison et suit son bon vouloir, dont le cœur est aveugle et ses yeux ne le privent pas de voir. Prends garde et convoite ses nombreuses prières, car ses invocations te sont plus que nécessaires. Et si cette femme est une étrangère, il doit aussi bien se comporter avec elle. L'aider fait partie de l'islam, et être injuste envers elle est un grand péché. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ô Seigneur, je mettrai dans la gêne ceux qui s'en prennent aux droits des deux faibles, l'orphelin et la femme. » La femme est un pilier dans la société dont le bon fonctionnement dépend d'elle. Si elle dévie, c'est toute la communauté qui en paiera le prix, comme cela se passe de nos jours. Alors que dans l'islam, dès les premières décades de l'ère égyrienne, la femme put s'imposer par sa large et efficace participation à côté de l'homme dans la vie culturelle et sociale de la communauté musulmane. Aïcha, épouse du prophète et fille du premier calife, avait une profonde érudition qui, à moins de 20 ans, fit d'elle une des plus brillantes figures de l'époque. Les grands compagnons du prophète venaient la consulter sur des questions juridiques, historiques, littéraires, et même médicale. Elle fait d'ailleurs partie de ceux qui rapportèrent le plus de hadiths
actes et paroles du prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, encouragea l'enseignement des femmes en disant « Rechercher la science est une obligation pour tout musulman. Cela concerne aussi bien l'homme que la femme. » Une femme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô messager de Dieu, les hommes se sont emparés de toutes tes paroles. Consacre-nous donc un moment pour que l'on puisse te rencontrer et nous enseigner ce qu'Allah t'a appris. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Réunissez-vous ce jour-là et ce jour-ci. » Ce qu'elles firent aussitôt. Durant ces jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait ce qu'Allah lui apprenait. Désormais, le champ d'action culturelle de la femme s'élargit de plus en plus. Ibn Hajar al-Asqalani, un des célèbres imams de l'islam, sera formé avec 50 de ses condisciples à l'école d'Aïcha al-Hanbaliya, ainsi qu'à celle de Zaynab, auteur des traités en droit et en hadith. Dans ses œuvres biographiques, Ibn Hajar cite plus de 1500 femmes parmi lesquelles figurent des juristes et des savantes. Auprès d'Allah, la femme n'est aucunement inférieure à l'homme dans ses droits. Chacun dispose d'un rôle approprié avec des droits et des devoirs. Une personne n'est supérieure à une autre que par sa piété, et non par son origine ou sa richesse, ou parce que c'est un homme ou une femme, comme il est dit dans le Coran. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit également « Ô vous les gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Vous descendez tous d'Adam et Adam provient de la terre. Assurément, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux et l'arabe n'a pas plus de mérite que le non-arabe, sauf s'il se distingue par la piété. » En somme, on peut se rendre compte que la femme n'est pas opprimée en islam. Et ceux qui prétendent le contraire sont soit des adversaires de la religion, moyennant la ruse et le mensonge pour en éloigner les gens, ou soit ce sont des ignorants qui suivent aveuglément et croient tout ce qui se dit, sans prendre la peine de vérifier ces informations. Par ailleurs, alors que l'islam nous inculque le bon comportement avec les femmes, certains musulmans n'agissent pas comme il convient. Bien que l'islam désavoue leurs attitudes, leur comportement contribue malheureusement à souiller cette religion, faire fuir les gens et créer par la même occasion des amalgames. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des créatures et un exemple pour tous. Il avait un comportement inégalable avec ses femmes. Il était doux, clément envers elles, il demandait leur avis, les aidait dans les tâches ménagères, plaisantait avec elles, ne levez pas la voix sur elles et ne les frappez pas. Il est un modèle pour tous. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Il n'y a qu'un islam. Son enseignement se fait à travers le Coran et la Sunna qui est la traduction du prophète, et non pas par les gens. Sinon, il y aurait autant d'islam qu'il y a d'individus, car chacun comprendrait l'islam à sa manière. En connaissant véritablement ce qu'est l'islam, on connaîtra alors les musulmans dans le vrai sens du terme, et on évitera ainsi les amalgames et les préjugés. La femme est une perle précieuse, il faut donc qu'elle se protège. C'est un trésor à la valeur inestimable. Il faut donc qu'elle se mette à l'abri des machiavéliques intentions. C'est pour cette noble raison qu'il lui a été demandé de se voiler. Son voile n'est autre que sa dignité. Dieu dit « Ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Wa kana Allahu ghafuran rahima. » Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants,
de ramener sur elles leurs grands voiles. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est celui qui pardonne et il est le très miséricordieux. Le voile permet à la femme de se protéger des turpitudes, d'être respectée et de préserver ainsi son honneur et sa pudeur. De même, Dieu dit « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Dieu a conseillé aux femmes du prophète de rester chez elles, et cela est valable pour toutes les autres femmes. Mais cela ne signifie pas qu'elles doivent être emprisonnées chez elles à longueur de journée. Dans toute chose, il y a un juste milieu. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'enfermait pas la femme à la maison comme il prétend. Au contraire, il lui a permis de sortir lorsqu'elle avait des choses à faire, mais aussi pour rendre visite à ses proches et ses amis, pour rendre visite aux malades, etc. Il lui a permis également d'aller à la mosquée en disant « N'empêchez pas les femmes d'aller aux mosquées ». De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la compagnie de sa femme lors des invitations et les refusait si jamais l'inviteur n'admettait pas sa femme avec lui. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, qui raconte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un voisin persan, connu pour ses mets délicieux. Ce voisin prépara un plat pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le convia à sa table. Le prophète lui dit « Et mon épouse ?» en parlant de son épouse Aïcha, qu'Allah l'agrée. Il répondit « Non, je ne l'invite pas. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua « Je refuse donc ». Le voisin réitéra son invitation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui redemanda « Et mon épouse ?» Il répondit « Non, je ne l'invite pas ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua de nouveau « Je refuse donc ». Le voisin réitéra une nouvelle fois son invitation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui redemanda « Et mon épouse ?» L'homme, après trois demandes consécutives, dit « Je suis d'accord ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha se levèrent et se suivèrent mutuellement jusqu'à atteindre la maison de l'inviteur. La véritable définition de la femme, de la liberté et du respect se trouve dans l'islam. La femme ne sera reconnue comme femme que si elle suit ce qui lui aura été demandé. Dans ce cas, elle gagnera le respect ici-bas et le paradis dans l'au-delà. Dieu dit « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, ceux et celles qui endurent avec patience, ceux et celles qui se montrent humbles, ceux et celles qui donnent l'aumône, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui préservent leur chasteté, et ceux et celles qui se remémorent souvent Dieu, à tous, Dieu a préparé un pardon et une énorme récompense. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à cet effet, « Si la femme prie ses cinq prières, jeûne son mois, préserve sa chasteté, écoute son mari, elle entrera au paradis par la porte qu'elle souhaite. » Bernée par une idéologie qui prétend l'émanciper, mais en réalité la dévalorise, la femme doit se remettre en question. Suis-je réellement respecté et honoré ? Des personnes targuent qu'ils ont libéré la femme, mais en l'animalisant ou en l'instrumentalisant. Elle est victime d'une société insidieuse, mais curieusement sans s'en rendre compte. L'islam lui a donné sa véritable valeur, une position de respect et des droits sans équivalent. Se comporter avec la femme comme l'Occident veut
reviendraient à répandre le chaos et l'immoralité qui seraient à leur tour banalisées sur terre, comme le montre déjà l'actualité. Se comporter avec la femme comme le veut l'islam, donc comme Dieu le veut, créateur, législateur des lois sages, aura pour conséquence logique l'harmonie de la société, la sérénité et le bonheur. Ce texte a été écrit par l'association aux sources de l'islam. www.sourceislam.com, www.fatawaislam.com, www.téléislam.com. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la. Conformément à la parole prophétique, Ballighu anni walau aya, transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.